Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Mlaïs M7. Vous allez voir un téléphone plutôt sympathique de 5,5 pouces avec lecteur d'empreintes digitales et tout, 3 Go de RAM. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech et smartphone. Allez, on vous explique ça après le générique et après pas un geek. Aujourd'hui, on va tester le Mlaïs M7, donc un téléphone qui nous a été livré par le fabricant avec son en full package hein, pour nous comme toujours. Alors nous dedans on avait le flip cover ici avec la fenêtre, donc ce qui est plutôt bien. Parce qu'on regardera, je vais laisser sur le côté comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. C'est plutôt pas mal. Ça, sur le côté ici, on retrouve un film protecteur en verre. Voilà, ça fait partie des nouvelles modes où les fabricants maintenant, comme ils savent qu'ils arrivent à produire quand même, je sais pas, ils font des séries de 3000 en moyenne. Et bien, ils vont voir un fabricant, ils disent voilà, il m'en faudrait 3000. Et là, quand on va voir un fabricant faire des films protecteurs en verre et qu'on en prend autant, et ben le fabricant les fait. Sinon, il les fait pas parce qu'il y a un minimum de commandes à faire. Dans la boîte, alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Bon, après, là. Donc là, il y avait marqué, vous voyez, on avait un petit sticker. Plick Chat Royal of the Breast, check new version. Voilà, parce que nous, on l'a reçu la semaine dernière. La mise à jour devait arriver le mercredi. Ils nous ont bien demandé de faire la mise à jour avant de le tester. Et elle n'est pas arrivée, elle est arrivée que plus tard dans la semaine. Donc voilà, on a perdu une petite semaine. Améliorer l'utilisation en anglais, et dans le package on retrouve un câble USB micro USB classique et un chargeur secteur prise française, beaucoup trop large pour les prises françaises, donc ça rentrera pas. C'est à prendre en considération. N'hésitez pas à écrire au vendeur en disant mettez-moi un chargeur français de la France qui rentre bien. Après, même s'il va falloir leur expliquer que le truc il est trop large parce qu'en France il y a la prise de terre et qu'à cause de ça et ben ça rentre pas dedans. Pas gagné. Je rajouterai un autre directement avec la commande. Donc là, c'est bon. Voilà, on a fait notre boîte ici. On va attaquer tout de suite la taille du téléphone avec notre premier perchoir exceptionnel qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, allez, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, la taille, on est sur du 78. Pour ça, on va mettre le téléphone un petit peu à l'horizontale. Ici, on est sur une largeur de 150, hein, pas à hauteur, comme vous voudrez. La taille de l'écran, est-ce qu'il va s'allumer? Est-ce qu'il est allumé ou est-ce qu'il n'est pas allumé? Il n'est pas allumé. J'avais oublié de l'allumer. Bon. Alors, la taille de l'écran, ça va vous faire râler un peu. Hein, quand on voit les bandes noires et tout, vous voyez, on est bien sur du 5,5 pouces. Hein, voilà, tout pile, hein, pas ni plus ni moins. On va prendre l'épaisseur du téléphone. Alors, on prend notre épaisseur la plus large. Ici, on est sur du 8,9. Donc, c'est pas mal. Et après, c'est vrai que si on prend sur le côté un petit peu qui est biseauté, vous voyez, on tombe vite à du 6 mm. C'est assez intéressant. On prend notre balance à sheet pour avoir un petit peu le poids du téléphone. Là, on prend le poids du téléphone. On est sur un téléphone qui fait du 166 grammes. Donc, un téléphone qui n'est pas excessivement lourd. Hein, vous voyez, pour un 5,5 pouces. Je vais vous faire le côté flip cover. Donc, le flip cover, vous avez vu, c'est un flip cover avec une coque. Ici, là, et quand on met le flip cover, vous voyez, on a une jolie petite fenêtre et tout. Enfin, comme, oui, comme sur LG. Oui, enfin, comme sur LG, comme sur Samsung, comme sur tous les smartphones maintenant. Voilà, avec, vous voyez, une petite, vous voyez, avec une trotteuse, vous voyez, avec un effet un petit peu comme c'était une horloge mécanique. Waouh, la classe. Voilà. Donc là, on enlève la coque ici, tant bien que mal. Voilà, on va la remettre là sur le côté. On continue. On va regarder un petit peu notre téléphone. Donc notre téléphone s'ouvre, oui, ici. On enlève les caches en plastique. Là, alors, bien sûr, certains vont dire, oui, bien sûr, ça ressemble fortement au S700. C'est normal, ils viennent du même endroit. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait énormément de similitudes. Alors, de similitudes surtout. Alors, notre téléphone. Alors, c'est bien double SIM ici, donc une SIM classique, une micro SIM, un emplacement micro SD. Au niveau, là, on a Mlaïs, donc octa-core, il n'y a pas marqué les fréquences. Ah si, vous voyez, B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20. Donc, à savoir que pour la France, il faut le B1, le B3, le B7 et le B20, je crois, de mémoire. Après, il y a des fréquences TD. Après, il supporte aussi également la Chine. Deuxième moyen 35, c'est pas mal. La batterie. Alors, la batterie qui fait, elle... 2600 mAh, je crois que c'est marqué là, ici. Voilà. 2600 mAh, on va la peser. Oui, ne me demandez pas de comparer avec le Mlaïs, avec le M-Star, c'est la même, mais c'est pas noté pareil. 40 grammes, 41 grammes pour la batterie. Voilà, donc on va pas épiloguer là-dessus, on m'a dit que non.
Alors, on remet la batterie dedans. Ici, donc à l'arrière, on a bien notre lecteur ID. Notre caméra arrière de 13 millions de pixels. Apparemment, une IMX 315. Donc plutôt pas mal. Un LED flash. Le haut-parleur qui est ici. Sur le côté droit, on retrouve un contour en aluminium. Enfin, c'est du magnésium de truc. Hein. Voilà. C'est joli. Ici, les ouvertures pour laisser passer le signal. Ici, on trouve les boutons. Donc, power on off qu'on va faire tout de suite. Bouton volume plus moins. Dessous, hop, on retrouvera rien, si ce n'est un microphone. Et enfin, dessus, hop, un jack 3.5 et une connectique micro USB. Connectique micro USB qu'on va essayer tout de suite pour voir si elle est OTG. On vous rappelle, un lecteur OTG, ça permet via un connecteur micro USB de lire déjà une clé USB, ça pourrait être pas mal. Ensuite, vous pourrez lire un clavier, une souris, et puis éventuellement, vous pourrez lire carte SD, carte micro SD, et tout ce qui va bien. Donc là, voilà, c'est un 5 en 1, donc la lumière s'allume, donc on a bien un OTG. Vous voyez, il me demande si je veux changer la mémoire. Ça, c'est sans problème. Ouh, dis donc, un joli petit bruit. Ensuite, on continue avec notre câble USB. Alors on utilise un chargeur secteur avec 6 prises USB, comme ça on en a toujours une de libre, et un câble USB avec un multimètre. Alors un multimètre qui est parti en sus hier, j'ai vu ça, je me suis demandé pourquoi il mettait un H. Voilà, hop là, ici, donc là on est pas mal. On met notre connecteur là, ici, donc là ça charge, donc la charge est complète, c'est bien dommage, sinon on aurait pu voir des choses, notamment ici. Quand on double tape sur l'écran et qu'on déverrouille, voilà, que les boutons en bas sont rétroéclairés. Ben ouais, je sais pas, je vais vous mettre dans le noir pour que vous puissiez bien voir. Voilà, les boutons du bas sont rétroéclairés. Et ça, je peux vous dire que c'était un petit peu le truc qui nous manquait la dernière fois et que ça fait tout de suite son effet quand on appuie dessus. Voilà, on a bien le bouton home, le bouton retour et le bouton pour accéder directement ici au menu. Donc, voilà, rétroéclairage, pas mal. Donc, on a bien, on n'a pas de LED de notification, hein, vous voyez en haut, mais on a les boutons qui sont rétroéclairés en bas. Donc, ça veut dire, à mon avis, quand vous aurez un message, celui du bas va s'allumer. Ici, notre téléphone est chargé, donc il ne consomme rien. Aucun ampère. On continue. Alors, mise en route, c'est bon. On va regarder un petit peu tout de suite ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CPU identifieur. Ici, on le laisse tourner. Alors, on est sur MT7752 dans un octa-core 1,7 GHz, un processeur 64 bits. On vous rappelle qu'il marche quand même plutôt pas mal. On va lancer l'évaluation. Vous aurez toujours deux scores. Un score pour un corps et un score pour 8 corps. Voilà. Généralement 8 fois le score d'un corps, mais voilà, ça permet de jouer un petit peu et d'avoir des scores parce que c'est comme une voiture, on aime bien ce qu'il a savoir ce qu'il a dans le vent tout de suite. C'est quoi comme moteur dedans? Alors 23 639 pour un total de 189 912. Voilà, on revient ici. Les IMEI, on les a vus, ils étaient notés derrière. On va refaire comme ça un petit peu. Des fois qu'on est accès au menu ingénieur, 64, 66, 33, 10 étoiles, 10 étoiles. Ok, pas l'antenne mode, c'est pas ça du tout, c'est le band mode, ici, l'IMEI. Alors, on a bien un téléphone qui est GSM sur les 4 bandes, on a bien un téléphone qui est 3G, 850, 900, 1900 et 2000, et on a un téléphone qui est 4G, B1, B3, B7, B20, voilà. Touchez le coulé de porte-avions, vous avez les 4 fréquences, vous êtes peinard. On continue, ici, maintenant qu'on a fait notre mode ingénieur, on continue, comme toujours, avec notre deuxième perchant exceptionnel, qui est... Antoutou. Allez, Antoutou, notre lapin malin qui est passé en 2.7 point quelque chose, en 5.7, voilà, en 5.7, et qui garde les scores. Voilà, garde les scores ce coup-là, donc c'est pas mal. Alors, un score à 44 347, un score qu'on a l'habitude avec les octa-cores, les nouveaux octa-cores chez MediaTek. Ils rockent vraiment, et je comprends pourquoi tous les fabricants veulent mettre ça dedans, parce que c'est vachement bien. Alors, on a bien un M-Lais, on a bien un M7, la ROM Android, c'est du 5.0, le processeur MT7752, un Mali T760, la résolution de l'écran, c'est du HD. Mais vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal. Les IMEI, la ROM, t'as vraiment vers ça tout à l'heure. Le CPU, on vient de l'évoquer. L'affichage. Hop là. J'ai rencontré des petits soucis tactiles hein, depuis le début. Ou des fois, ça marche pas. Alors, soit ça vient de mes petits doigts boudinés, soit ça vient d'autre chose. Caméra, alors on donne du 13 à l'arrière, du 5 à l'avant. On vous rappelle, un IMX 315. Donc là, ça devrait être pas mal. L'OS 5.0. Le NFC, non. Le Wi-Fi, oui. Le gyroscope, l'accéléromètre, le e-boussole, le proximité. Et enfin, le baromètre. Donc un téléphone qui est plutôt complet. Et plutôt sympathique. Alors, on revient ici. On va regarder un petit peu les paramètres pour avoir un petit peu la RAM, la ROM et ta ROM. Ici, les applications, on prend les applications en cours. Donc, on a bien un téléphone qui va consommer. Alors, 761 de système, il reste... Enfin, et 138 pour les applications, quasiment 1 giga. Il reste 2 gigas libres. Donc, on a bien un téléphone qui fait 3 gigas de RAM. Ouais. Et là, tout de suite, waouh, vous dites quand même,
C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, au niveau de la ROM, alors, sur les 16 gigas, on a 4 gigas qui sont dédiés en interne. Donc, vous voyez, 5 gigas qui sont pour les applications. Donc, 4 gigas pour les applications, vous avez de quoi en mettre déjà un petit peu. Et il reste 7 gigas 54, soit encore 5 gigas, parce que moi, j'ai quand même installé pas mal de trucs dedans au niveau des vidéos. Les vidéos de Jean-Pierre, d'ailleurs, je le rappelle. Et ben, en fait, on a bien un téléphone voilà, qui fait 5 gigas pour les applications, c'est pas mal hein, quand même. Là, vous avez de la marge. Donc, on a bien un téléphone qui fait 3 gigas de RAM plus 16 gigas de ROM, on vient le voir ici, plus la micro SD qu'on peut mettre à l'arrière, vous avez vu directement dans la carte SIM. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est, pour l'instant, c'est vraiment un bilan qui est très positif, hein. C'est vraiment la grosse surprise de ça. On attendait, vous étiez nombreux à attendre le P7000. P7000 qui s'est fait démonter dans tous les sens hier, justement par un autre tuto sur internet. Alors, l'accéléromètre, oui. Le compass, c'est ITX, voilà, il l'a vraiment démonté. c'est le cas de le dire. Après, vous attendiez le S700 et là, on vous attendait le M7. Donc voilà, vous voilà exaucé. La radio, il me dit que non, donc elle y est, forcément. On revient un petit peu ici pour aller un petit peu notre version Android. Donc on est bien sur du 5.0. Luminosité à fond les wallets, comme toujours. Localisation, lampe torche. Bon. Rien d'intéressant ici. On va revenir un petit peu dans le menu. Wi-Fi, Bluetooth, gestion des cartes SIM, plus des fois qu'ils aient caché le NFC. Non. L'affichage, son notification, on va regarder un petit peu la sonnerie tout de suite. Hein, intéressant pour un téléphone. Même si... à quoi, Anthony? C'est quoi tous ces sons-là? Il n'y a pas Jingle Bell ah, dis donc. Il n'y a pas Jingle Bell. Bon, il n'y a pas. C'est, j'ai mis son. Ah non, c'est son par défaut. C'est que j'ai loupé. Son par défaut. Non, bah non, c'est le son. Ça doit pas être ça. Oh, c'est pas mal. Non, c'est assez fort. Hein. Il n'y a pas à dire. C'est quand même. Sonnerie téléphone. Je ne comprends pas pourquoi je suis passé à côté deux fois. Il vient d'apparaître. C'est pas possible. Alors, le son, il est à fond. Ici, on a un son qui est bien, un son qui est puissant. Voilà, allez, annulé. Je comprends pas pourquoi, je sais pas, bon, on verra au rembobinage. Ici on revient, son stockage, batterie, application, finger scanner, ah ben voilà, ça c'est pas mal. Alors finger scanner, fingerprint, alors il me dit mets ton doigt derrière, donc je mets mon doigt derrière ici, donc là on sent bien le téléphone qui vibre, je remets mon doigt derrière, hop, je l'enlève, je le remets, je l'enlève, alors je vais mettre un peu plus haut, voilà, je l'enlève, bon ça marche plutôt bien hein. Y a pas vraiment de soucis sur cette idée-là. Bon, le lecteur d'empreinte, et après, bah, au déverrouillage et tout. Le temps de déverrouillage, je pense pas que ce soit super important. L'essentiel, c'est que ça reconnaisse bien. Après, c'est pas des plus pratiques à l'arrière, mais ça marche bien. Off-screen gesture, donc là, ça vous permet de mettre des fonctions, notamment voilà, double tape quand, par exemple, le téléphone est éteint. Vous double tapez sur l'écran, et là, vous arrivez directement sur le menu de déverrouillage. Petite fonction ouais, qui, moi, me plaise bien. Localisation, sécurité, compte, langue et suivi, date et heure, programmation. Bon, après, on retrouve sur un téléphone qui est quand même plutôt classique. Dans la ROM, on retrouve bien. Alors, on a l'appareil photo, calculatrice, contact, CPU identifieur, émission. Donc, on a bien la radio, Google, l'application JT Geek. Si jamais vous ne voulez pas installer, vous pouvez installer une jolie application JT Geek qui vous donnera les news, les vidéos et éventuellement les produits qui sont rentrés dans la Geek Shop. Ça peut être pas mal. Vous le trouverez directement dans la description en bas de YouTube. Map, musique, nananana. Ici, on revient. Téléchargement, photo. Bah, on a fait l'essentiel. Donc, une ROM en 5.0, très très sympathique. On va écouter un petit peu de musique. Alors, musique, je ne comprends pas pourquoi sur cette carte mémoire, en fait, mon poteau Élise Le Baron a disparu. Je m'excuse, ça sera Britney Spears aujourd'hui. On écoute la musique. Alors, un son qui est pas mal, en fait. Hein, qui est un peu criard. Hein. On est un peu sur du haut médium, malgré tout. Voilà, bah on est sur du médium, hein, donc c'est criard, ça fait le taf. Vous voyez, si on le met un peu comme ça, ça fait une caisse de résonance, et on tire un peu plus de médium. Hein. Voilà, bon, après, c'est pas le plus intéressant. La galerie, alors les vidéos ici, nos petites vidéos sympathiques. Alors, on va mettre celle-là que j'ai trouvé que c'était pas mal, il y avait des jolies couleurs hier. Alors, on va un petit peu baisser un petit peu de volume, voilà. Donc, on a un écran qui est certes HD, mais comme on l'a vu, en fait. Par rapport au P7000, sans vouloir tirer dessus, mais le P7000 avait quand même un écran Full HD qui n'avait pas une luminosité et un éclairage qui était incroyable. Là, notre HD, eh bien, vous voyez, on a un beau contour ici. Alors, on n'a pas de fuite de rétroéclairage, on a bien des noirs profonds. Et quand on met l'écran, on se retrouve, bah, comme avec nos S700, avec une grosse barre noire, parce que, bah, voilà, aujourd'hui, les LCD borderless, ça coûte un petit peu d'argent. Et voilà, c'est pas rentré dans le budget. Donc, on a un écran qui est quand même juste joli, hein, il n'y a pas à dire. On est vraiment sur une résolution comme pour avoir sur une télé.
Alors là, la vidéo peut-être un peu sombre, hein. On va peut-être en prendre une autre un peu plus colorée. Voilà, tout coloré. On a un bon rendu, comme sur une télé, on a un bon rendu, un bon contraste. Vous voyez, on a un angle de 180 degrés ici. On a des jolies petites meufs, je veux dire, là, hein, ça donne envie de craquer, hein. Alors, on continue les vidéos, on va essayer de faire notre partie jeu, même si c'est pas vraiment une grosse partie jeu. Nous, on fait toujours tourner notre petit TurboFly HD. Encore une fois, maintenant, avec la reconnaissance du Play Store, on a beaucoup de jeux qui marchaient avant, qui ne marchent plus, et comme Google est infiltré en Chine, on a pas mal de problèmes avec les jeux. C'est-à-dire des jeux qu'on va installer, qui vont marcher chez vous, nous, on va les installer, et parce qu'on est en Chine et parce qu'on n'a pas de reconnaissance du Play Store, eh ben, ça ne va pas marcher. Alors, on fait ça ici, voilà. Donc, on a un jeu en 3D qui fonctionne plutôt bien, hein. Encore une fois, la majorité des jeux fonctionneront sans trop de problèmes, avec notre octa-core et notre Mali-T 660. Après, sur les gros jeux, je ne cache pas que vous pourriez avoir éventuellement quelques petites latences, mais ça ne sera pas violent, ni gravos. Et je suis quand même premier, mine de rien. Sur qui je vais tirer si je suis premier? Ah, c'est pas mal, voilà. Heureusement, je suis là pour me faire tirer dessus. Alors, au niveau de la photo, vous pouvez faire des selfies. Il n'y a pas la fonction walou qui peut faire bien délirer. Alors, caméra frontale en plein écran, vous pouvez faire des photos jusqu'en 5 millions de pixels. Photos que vous allez découvrir maintenant. Oui, j'aime bien. Moi, j'aime bien faire les selfies. Ça m'éclate pas mal. Ensuite, caméra arrière ici. Hop là, non, c'est mis en plein écran. On peut aller jusqu'à du 13 millions de pixels. On va prendre notre petit Superman là-bas. Voilà. Ben oui, parce que sinon il tremble. Il tremble, il fait des photos floues. Alors, notre photo est pas mal. Vous voyez notre 13 millions de pixels en Sony en IMX. Très très bien. Regardez, on a un bon rendu comme ça. On voit bien, voyez, on voit bien les contours. On peut zoomer un fond, mais non, très très bon appareil photo. Enfin, très très bonne. Je m'entends, c'est un téléphone à 180 euros non plus. Mais on a un bon rendu. Pour juger des qualités photos, vous allez découvrir trois photos comme toujours. Une photo prise en intérieur de notre bureau. Et deux photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur de nos buildings à gauche. Et une photo prise en extérieur de nos buildings à droite. Alors, avec ce joli appareil, vous allez pouvoir également faire des vidéos. Des vidéos en Full HD. Comme toujours, vous allez découvrir deux vidéos. Une vidéo prise en intérieur de notre bureau. Jusqu'on descend jusqu'au petit Superman. Et on clique sur l'écran pour forcer l'autofocus. Ça fait toujours bien. Et une photo et une vidéo prise en extérieur. Où on part comme toujours de la gauche. Vers la droite, on monte jusqu'à notre seg et on descend vers notre chantier. Chantier, oui, vous n'aurez compris qu'il n'avance vraiment pas. Au niveau du GPS, c'est une très très bonne surprise qu'on avait vu déjà avec le M-Star. On a un GPS qui fixe, premier fixe, hein, en 42 secondes, vous allez me dire, c'est pas incroyable, mais c'est dans la moyenne. Par contre, au niveau du fixe, on est royal. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 satellites. Alors là, vous allez avoir une triangulation de psychopathes. Moi, personnellement, j'y croyais pas. Je leur ai demandé si leur téléphone était GPS et GLONASS. On vous rappelle, GPS, c'est les satellites américains. GLONASS, c'est les satellites russes. Donc, si votre téléphone est de norme, forcément, il va capter beaucoup plus de satellites et on aura une triangulation beaucoup plus précise. Et en plus, il y a les Chinois qui arrivent, pour vous dire. Eh ben non, en fait, il est que GPS, mais je trouve qu'il marche quand même super bien. En fait, on éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe, meilleur, on est d'accord, 20 secondes, c'est encore une fois... pas incroyable, il faudra quand même attendre une trentaine de secondes avant d'avoir un fixe. Par contre, on a un fixe qui est démentiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 satellites. Là, vous allez vraiment, on est vraiment peinard. Autant, quand on en a 2, 3, on se dit, il suffit que vous en perdiez un ou deux et trianguler avec deux satellites, c'est pas facile. Là, vous êtes vraiment peinard et c'est vraiment une des grosses surprises pour moi. Je suis assez content. Voilà, j'ai le droit d'être content. Comparatif de taille, donc même si on a vu, on va comparer tout de suite avec notre Note 4 qui fait 5,7 pouces. Ici, donc on a un téléphone qui est un peu moins large, un peu moins haut, c'est normal, il fait 5,5 pouces. Au niveau de la finition du contour, eh ben, il n'est pas timide parce qu'on a quand même un contour qui est en aluminium. On a un téléphone qui est plutôt joli, un plastique qui est correct. Je veux dire, c'est pas du super plastique et tout. Je ne sais même pas si ça existe, du super plastique. Ça doit s'appeler du plastique, plasticnium. Mais voilà, on a un téléphone qui est bien, qui n'est pas timide, qui est assez bien fini et que vous l'aurez vu quand même avec moi, qui marche quand même plutôt bien. Allez, Wi-Fi. Wi-Fi, on est sur 3 barres, c'est pas mal. On continue, on va se faire notre petit bing.com, voir un petit peu la vitesse de chargement de notre page. Donc pour l'instant, ça va bien. Oh, joli. Oh, oh, et beau. Coucou, et beau. Alors, ici... Oh, charmante, elle va gagner, elle, je le sens. Allez, on va regarder ces photos-là. On a des photos qui chargent. Bien, pas bien.
Bon, des fois, ça vient de Big aussi. Hop, voilà. Oh là 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 là, vous allez en prendre plein l'œil aujourd'hui. Voilà, on continue. Et bah, maintenant qu'on a fait un petit peu notre tour du téléphone, on va attaquer. Ah, ça ramouille un petit peu. On va changer de photo. Bon, ça ne va pas l'air de vouloir. Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer. Les plus et les moins de l'image. Moi, j'aurais bien aimé l'écran 5,5 pouces en HD. En plus, il est Gorilla Glass pour ne rien cacher. Le processeur MT6752, processeur éprouvé qui marche plutôt bien. La version Android 5.0, c'est pas mal. 3Go de RAM plus 16Go de ROM plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 32Go. Alors, je vais sortir de ça parce que là, apparemment, ça ne veut vraiment pas marcher. Vous ne regarderez ça que chez vous. Le téléphone est double SIM. Alors, il est double SIM, full 2G. 3G, on a vu toutes les fréquences. Et 4G, toutes les fréquences, c'était quand même pas mal. La caméra, 13 millions à l'arrière, une UMI. 315 et à l'avant une 50 pixels qui marche plutôt bien. La batterie qui fait 2600 mAh, donc là bien aussi. Et en plus, elle est compatible apparemment charge rapide. Le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière qui fonctionne bien, vous avez vu, ça fait le taf sans trop de problèmes. La finition alu, ça c'est très joli. Les boutons rétroéclairés en bas, quand même du meilleur effet. Pas à dire. Et enfin le GPS qui marche quand même super bien, c'est vraiment une bonne surprise pour nous parce que autant le S700, autant ce MLACE M7 ont vraiment de très très bons GPS qui fixent plutôt pas mal. On parlera quand même un petit peu du prix. Le téléphone est vendu sur internet entre 170 et 180 euros. C'est pas excessivement cher, hein, un téléphone qui est quand même relativement quali. Qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil? Je sais pas moi, l'écran 5,5 pouces, que l'écran soit pas full HD on va dire, mais c'est pas très très grave. Non, tout est bien, le processeur, Android, la RAM, la ROM, double SIM, 3G, 4G, voilà quoi. Qu'est-ce que je vous dis? Bon, apparemment, Bing, on arrive pas à regarder les images, mais ça m'a pas l'air bien, bien grave. On va regarder le monde, le monde... .com, à mon avis, ça c'est juste un problème de ROM, hein. Il faudra faire juste le mettre à jour ou alors changer simplement de navigateur, hein. Voilà, on est pas mal là, le monde.com, ouais, non, tout marche bien, il n'y a pas de souci, donc voilà, ça vient à mon avis vraiment de la ROM ou de Bing Images qui aujourd'hui n'a décidé de pas vouloir travailler. Voilà. Donc point négatif, bah, pas grand chose, hein, voilà, à part le navigateur et puis que l'écran n'est pas full HD, j'aurais pas, non, je n'ai pas trouvé, vous me direz vous en commentaire, hein, point négatif, et puis également pendant le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Ben, bilan, ben voilà quoi. Je veux dire, après, ça tout dépend de ce que vous recherchez dans un téléphone, mais si après, si c'est absolument le full HD que vous voulez, oui. Mais sinon, personnellement, pour moi, c'est un mode love. Le téléphone, il est quand même vachement bien, quoi. Il a tout. Il a tout. Tout ce qu'on pourrait attendre d'un smartphone, il fonctionne bien, il est en point digital, 3Go de RAM, il a une batterie qui est correcte, voilà, après, un écran HD. Voilà, pour moi, c'est un bilan qui est plutôt positif. Allez, comme toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire, oui. Commentaire directement sous cette vidéo de YouTube, vous laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce téléphone là, quels sont pour vous ses points forts, quels sont pour vous ses points faibles, et en donnant votre note. Moi personnellement, je serais bien sur un 17 sur 20 quand même, hein, puisque rapport prix, voilà, moi je suis assez convaincu, c'est assez bien. C'est vraiment une bonne surprise pour cette semaine, hein, pour un petit mercredi. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, sur Google+. Pareil, une fois que tu es sur la page en bas, il y a un petit bouton partager, tu peux mettre les réseaux sociaux, tu peux partager cette vidéo pour faire aussi faire voir à tes amis ce MLACE M7. Bon, déjà, on est le premier à le tester, mais ensuite faire voir comment il est vachement bien. Le R de commentaire, nous le sommes à commenter cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Voilà, t'es plus, t'es moins, si t'as aimé, si t'as pas aimé, enfin, vas-y. Lâche-toi. Et en plus, de temps en temps, je réponds. Maintenant, je prends le temps de répondre. Et le R de pouce en l'air, comme ça, également, sur la vidéo. Je crois que soit en haut du player, il y a des petits boutons aussi, soit directement en dessous de la vidéo, tu mets un petit pouce en l'air pour nous encourager dans notre travail. Hein, téléphone, on s'en fout. Pour moi, les pouces, yeah, trop cool. Et une vidéo par jour, quand même, au JT Geek, hein, ça claque. Et le R de pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, toujours en direct, ben, de Shenzhen, mais il faut pas le dire. Allez, moi je vous donne rendez-vous demain. À mon avis, ça sent. Demain, ça sent le test high tech. Ouais, tu le sais. Avec un truc trop cool. Ah, vous allez kiffer demain. Allez, n'hésitez pas à vous abonner via le bouton qui va apparaître ici. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez trouver l'application là. Il y a une application GLG Vidéo dans laquelle vous trouverez directement les news JT Geek et toutes les nouvelles vidéos. Comme ça, tu ne louperas rien. Si en plus, tu es abonné en plus. Pff, la classe. T'es surtout à voir. Allez, moi je vous dis à demain. Paix et prospérité. Bye bye.